Ouah, tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo hop, particulière où en fait c'est entre guillemets une vidéo concours, alors c'est plus des lots à gagner et que tout simplement je le fais parce que ça va être Noël et je me suis dit j'ai envie de faire quand même un petit truc parce que voilà ça va être Noël et j'ai envie de faire plaisir aussi à des gens qui me suivent. Attention, c'est vraiment à des gens qui me suivent sur internet, donc ça je regarderai bien en fait de ceux qui participent. Donc en gros il faut vraiment, pour vous faire un petit résumé, il faut vraiment participer donc dans la barre des commentaires, et ça va être sur un statut sur Facebook que je posterai pour les gens qui veulent me suivre, enfin qui veulent me suivre, enfin en tout cas pour les gens qui me suivent et tout, et qui veulent participer à ce lot à gagner. Voilà, donc c'est un petit truc, un petit bonus. Donc ce que je vais vous faire avant de vous montrer les lots, les choses à gagner, je précise des petites choses. Déjà, à la base, je voulais aussi offrir d'autres trucs, c'est-à-dire mettre 150 €, 200 € de points PSN Xbox Live, quelque chose qui sort de ma poche, hein. Là, c'est tout que des trucs aussi que j'ai payé. Mais si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est pas un concours en vous disant ouais, voilà, vous avez des trucs à gagner, je suis en partenariat grâce à ce partenaire-là, j'ai pu vous offrir. Voilà, c'est des trucs qui sortent de ma poche. Voilà. Après, il y a des trucs que j'ai gagnés grâce à YouTube avec des partenariats, mais à la base, voilà, il n'y a rien, c'est aucun partenariat pour faire ce concours-là, enfin ce lot à gagner en tout cas. Donc, ça, c'est important à savoir. Voilà, c'est un truc très important. Deuxième chose, c'est juste vous faire un petit récapitulatif de ma chaîne en quelques secondes, très rapide. En tout cas, je suis très content de mon année sur YouTube comme mes années précédentes. Voilà, c'est par pur plaisir. Bon, au début c'était du jeu vidéo, maintenant je me suis mis dans la technologie parce que le jeu vidéo ça m'intéresse moins, malheureusement. Donc beaucoup de gens voilà, sont moins intéressés avec ma chaîne parce que forcément je fais plus trop de jeux vidéo, mais parce que ça m'intéresse moins. Après, j'ai pas faire des vidéos sur le jeu vidéo parce que ça me parce que les gens ils vont aimer, mais parce que moi j'aime pas trop. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que c'est très moche comment je l'ai dit, mais c'est-à-dire que moi je vais faire vraiment des vidéos en fonction de mes envies. Et là en ce moment, depuis même 1 an ou 2 ans, je pense que c'est mort un peu le jeu vidéo avec moi, ça m'intéresse beaucoup moins. Voilà, j'y joue quasiment plus. Et que forcément, j'ai envie de faire autre chose. Donc je fais sur la technologie, des trucs comme ça que vous pouvez voir sur les informations, parce que j'aime bien aussi essayer de voir un peu comment ça marche, le fait d'essayer de donner des informations, des leaks, des trucs comme ça. Donc ça c'est un peu mon fonctionnement, c'est-à-dire que vous avez peut-être des youtubeurs comme Bysanka, d'autres youtubeurs et tout qui font sur le jeu vidéo. Donc ça c'est cool pour eux. Mais moi, ça m'intéresse plus, enfin plus vraiment, à part GTA et FIFA, sinon voilà. Donc ça, c'est important à savoir au niveau de mon petit résumé, où on peut vraiment voir cette année où il y a eu un stop avec le jeu vidéo et où je me suis relancé dans la technologie, c'est-à-dire le high-tech, que ce soit les montres tactiles, essayer de donner des infos. Et dans l'avenir, voilà, si ma chaîne prend de l'ampleur, carrément faire des unboxings, par exemple, du nouveau iPhone, des trucs comme ça. Mais ça demande de l'argent. Et si vous croyez sincèrement qu'avec ce que je gagne sur YouTube, je peux faire des unboxings comme ça de l'iPhone 7, du Samsung Galaxy S6, bah vous vous trompez. Voilà. Donc peut-être avec l'argent, enfin dans le temps, si j'ai plus d'argent avec YouTube, bah dès que j'ai les moyens, je pourrais peut-être m'acheter voilà, des trucs comme ça, vous faire montrer et tout, et pourquoi pas les faire gagner après. Bon, ça fait gros comme ça, mais en tout cas, déjà, j'aimerais bien après dans l'avenir, moi, m'investir sur ma chaîne YouTube et pour aller encore plus loin. Donc ça, c'est important à savoir. C'est que moi, en tout cas, je suis content. Je trouve ça dommage que certaines personnes, ça c'est avec tout le monde, de toute façon, tous les youtubeurs critiquent, voilà, des gens en disant, ah, ils sont comme ça, voilà, ils font pour l'argent et tout. Bon, ça, faut mettre de côté, parce que je pense que j'ai quand même des gens qui me suivent qui sont assez matures et qui comprennent que voilà, pour 1 € tous les 1000 vues, mon gars, je pense pas que tu vas faire de l'argent. Au pire des cas, tu vends du shit ou de la beuh et tu peux aller beaucoup plus loin et gagner beaucoup plus d'argent, voilà, encore plus rapidement que faire des vidéos. Parce que s'il y en a qui font pour l'argent des vidéos, bah, je trouve ça triste. Moi personnellement, après ça reste mon avis, il y a bien des trucs à faire en ville. Tu peux t'éclater pour te faire de l'argent si tu veux te faire de l'argent. Bon, forcément, c'est pas très propre, hein, c'est pas de l'argent propre, mais au moins tu peux t'en faire beaucoup. Donc voilà, donc j'ai mes petits lots là. Moi c'était pour vous dire déjà, je suis super content et tout. J'aurais pu faire plus, voilà, vous offrir 150-200 € de points PSN, Xbox Live, j'avais pas envie parce que j'estimais que cette année-là, j'ai eu quand même pas mal de gens qui soit m'ont critiqué, mais soit des gens qui voient, qui me suivent pas vraiment. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué aussi en fonction de ce que je fais au niveau de mes vidéos. Je fais plein de trucs différents, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je fais 9 sujets différents. Donc c'est sûr que c'est normal que tout le monde ne me suit pas pour tout. Et donc ici je me suis dit, cette année-là, Christo, tu vas faire un truc doucement, vu que c'est la première fois, tu vas faire vraiment un lot à gagner, voilà, simple, pas compliqué et tout. Donc voilà, donc pour participer, je pense que j'ai déjà dit en début de vidéo, en gros il suffit de mettre un commentaire
comme quoi vous participez et tout, avec à côté votre adresse mail. Comme ça, si vous avez gagné, eh bien, je vous contacte sur votre adresse mail. Parce que contact sur YouTube et tout, par message YouTube, c'est horrible, c'est dégueulasse, c'est pitoyable, ça marche pas très bien. En plus, moi, je reçois plein de messages, donc ça va tout bugger. Donc, le mieux, c'est votre adresse mail. Comme ça, les gagnants, je leur enverrai un mail. Voilà, comme ça, ça, c'est cool. Et ce qui serait bien aussi, c'est quand vous recevrez le produit, histoire de faire une petite vidéo de 10 ou 20 secondes pour montrer, voilà, Christo, merci en tout cas, j'ai bien reçu le truc et tout, pour montrer aux gens que c'est pas du faux, quoi, c'est pas du fake, les gens. Si je m'amuserais à faire un faux concours et tout, ce serait, ça craint quand même, si j'en suis arrivé à là, surtout avec le lot ici. Voilà, c'est sûr, c'est pas des PS4, Xbox One à gagner, mais le geste compte, et moi, j'ai vraiment envie de vous offrir des petits trucs et tout. Alors, il y a des trucs que j'ai achetés et des trucs que j'ai reçus, qu'on m'a donné, hein, c'est des entreprises, c'est pas des partenariats, c'est on me les a donnés, mais moi, j'ai pris la décision de vous les offrir en concours. Voilà. Voilà, donc la première chose, c'est un petit truc tout con qu'on me l'avait offert, c'est une batterie portable, une toute petite, donc ça c'est vraiment le plus petit lot, le plus petit truc en fait que, voilà, que je fais gagner, tout con, mais ça peut servir, c'est une batterie portable, donc regarde là elle est allumée, voilà, donc là c'est bon, donc en fait c'est une batterie portable de 2800 ou 600, 2000 combien, 2800, 2600 milliampères, voilà c'est ça. Avec un chargeur dedans, micro USB comme on dit, donc histoire de recharger son téléphone une fois. L'avoir gratuitement, je crois que ça vaut peut-être 10-20 euros sur le marché. Bon, ça fait plaisir, au moins tu le reçois gratuitement, y a aucun souci derrière tout ça. Peut-être le deuxième plus petit truc, et qui est pas mal en tout cas je trouve, c'est en fait des écouteurs Bluetooth, voilà, qui marchent sans fil. Et ça je trouve ça super bien, donc bien sûr ça marche sur iOS, sur Android normalement. Donc ça je trouve que c'est super cool, elles sont neuves, je les ai reçues, j'ai même fait une vidéo unboxing dessus. Et je suis satisfait de ce produit là, donc j'espère en tout cas qu'elle tombera entre de bonnes mains, voilà, et que ça fera plaisir à la personne, c'est un petit truc. Moi en tout cas j'en ai eu deux au total d'écouteurs Bluetooth, et j'en ai gardé une parce que j'aime beaucoup. Après j'en ai pris une sur les deux, j'aime les deux autant. Voilà, pour vous dire la vérité, je vous donne pas, enfin j'offre pas la moins bonne, c'est les deux, elles sont pareilles, sauf que celle-ci je dirais elle tient mieux dans les oreilles que l'autre. Voilà. Après j'ai aussi quelque chose d'un peu plus gros, où ça va être une petite enceinte au maker, donc ça peut faire plaisir à une personne, hein, une petite enceinte gratuite, voilà, on sait jamais, avec le chargeur et tout, prise jack intégrée dedans, enfin vous savez le double côté mâle prise jack, donc une enceinte comment dire, assez compacte, qui marche bien, hein, qui a une bonne autonomie de 5 heures environ, on va dire comme ça, qui est bien, voilà, qui est fonctionnel et qui, heureusement d'ailleurs, hein, sinon je la mettrais pas dedans, mais voilà, elle est bien foutue et tout, et ça peut aussi faire plaisir à une personne, voilà, donc on verra tout ça. J'ai aussi donc une très belle enceinte, alors différente, hein, c'est un peu un autre design parce que l'autre est plus petite, celle-là est légèrement plus grande, qui ici va être une enceinte. Alors celle-ci c'est pas sûr parce que je crois que j'ai quelqu'un dans ma famille qui était intéressé, parce que moi en fait je donne aussi à ma famille. Pour vous dire aussi, voilà, les trucs que je reçois, c'est je les donne aussi, hein, j'ai pas gardé 10 enceintes chez moi. Donc celle-ci c'est pas sûr, donc voilà, je vous dirai le jour ou le résultat, je vous confirme rien sur celle-ci. Une petite enceinte portable très jolie, voilà, elle est toute mignonne et tout. Donc là, je l'ai allumée, elle va faire un petit bruit pour dire comme quoi elle est que l'enceinte est allumée. Voilà, et elle marche très bien. Voilà, les deux poches, en plus, c'est la même taille qu'un smartphone. Par exemple, pour vous faire la comparaison, là, j'ai le Grand Prime. Et c'est exactement la même taille qu'un smartphone. Donc, je trouve que c'est classe pour une petite enceinte qui marche pas mal. Le son est pas très fort. Enfin, ça passe dans une chambre. Mais si ça va être dans un salon ou dans un salon, ça peut passer aussi. Mais si vraiment c'est pour le mettre dehors, là vraiment ça vaut pas le coup, quoi. Faut mieux avoir une plus grosse enceinte. Mais voilà, ça reste un joli petit cadeau. Et j'ai aussi deux montres. Ça va peut-être être les choses qui vont peut-être le plus vous intéresser. Ça va être deux montres tactiles que j'ai acheté par contre ici. Donc ça va être des montres qui ressemblent d'ailleurs beaucoup à l'Apple Watch, mais qui marchent très bien parce qu'il y en a une que je porte depuis 2 mois je crois, qui est en train de recharger derrière moi. Marche super bien. Ces deux montres, donc il y en a une ici, donc neuve, hein, bien sûr. Hein, même le truc là, il s'est même pas enlevé le petit autocollant pour l'écran, protège écran. Donc voilà. Donc oh, j'ai reçu un message. Donc là, je vous montre bien sûr pour vous montrer qu'il y a bien deux montres. Donc deux montres avec les chargeurs, je crois que c'est tout. Hein. Ils offrent juste le chargeur avec et ouais, c'est tout. Avec la petite notice et tout. Donc c'est vraiment deux jolies petites montres.
Vous pouvez envoyer des SMS avec, vous pouvez mettre votre carte SIM, une carte SD, même micro SD, envoyer des textos, à faire des appels, calculatrice et tout. Je trouve c'est très pratique. Ça reste un gadget, mais je trouve que c'est quand même très pratique. Une petite montre tactile et tout, même si pour moi c'est vrai, je le redis, hein, c'est un gadget. Voilà, ça peut faire plaisir aussi, je pense, à un petit Noël et tout pour une personne voilà, qui voulait avoir une petite montre, comme ça vous évite d'en acheter une. Même si c'est pas Apple et tout, moi je peux vous en conclure que je me rends compte, je me dis en fait pour 50 euros, elle vaut 50 euros la montre, mais en Chine, hein, donc 50 euros, t'arrives à te retrouver une bonne montre. Potable. Donc là, je me dis à quoi ça sert vraiment d'acheter une montre à 300, 500, 400 euros. Il y en a qui vont me dire ouais, mais c'est de la meilleure qualité et tout. Je suis d'accord avec vous. Mais franchement, moi je vous dis avec la montre, moi je m'amuse bien avec en fait. C'est-à-dire que je peux vraiment envoyer des textos, faire des appels en toute tranquillité sans avoir de bug. Et là, je me dis putain, en fait, on nous prend pour des pigeons quand même à mettre des produits aussi chers alors que ça vaut pas autant, ça, enfin le prix, voilà, 350 euros, pour moi c'est trop cher. Enfin bref, voilà, c'est pas une comparaison avec l'Apple Watch, c'est juste pour vous dire comme quoi c'est pas une honte d'avoir une montre comme ça. Hein. Moi j'en ai une comme ça, elle marche très bien. Y a pas besoin de dire ouais, c'est pas l'Apple Watch donc c'est de la merde. Ou c'est pas la Gear par exemple donc c'est de la merde. Non, faut pas voir les choses comme ça. Donc attendez, je vais voir un peu. Donc voilà, moi en tout cas. Pour moi, ça a été une très belle année. Pourquoi? Parce que je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc, quoi qu'il en soit, si je fais des vidéos comme je le souhaite, comme j'ai envie, bah, ça sera une très belle année. Donc, des petits cadeaux comme ça. Là, je vous montre un peu. Il y a des petits trucs, hein, avec mon petit casque et tout. Mon petit écouteur avec les deux petites montres et le joli petit enceinte aussi. Voilà, c'est histoire de vous faire plaisir. J'espère en tout cas que ça vous fera plaisir. Si je vois que les gens, ils s'en foutent et tout, bah j'en ferai pas l'année prochaine. Là, j'en fais une parce que je me suis dit, allez, faut que tu fasses un petit truc. Ça fait longtemps que j'ai rien fait. Et voilà, c'est une façon de remercier les gens. Mais attention, ça sera des gens qui me suivent sur Internet, voilà, sur YouTube ou sur Facebook. Donc ça, je verrai par moi-même. Je vais regarder après si la personne m'a suivi, etc., etc. Et c'est pas quelqu'un qui participe juste parce que en gros, il s'en bat les couilles de ma chaîne et qu'il veut juste participer pour gagner le truc, quoi, pour gratter le truc. Voilà. Il faut faire les choses de la meilleure façon possible, en tout cas. Et voilà, faut que le gagnant, ce soit des gens qui me suivent depuis longtemps ou pas forcément longtemps, mais qui sont fidèles. Et ça, c'est important. Voilà, moi, je suis satisfait. Et tout, j'ai pas. Putain, par contre, cette boîte là, cette boîte pour cette enceinte, c'est vraiment. Je sais pas, ils la font super compacte. Voilà, maintenant elle peut rentrer, mais putain, c'est un peu galère cette enceinte. Donc voilà, savoir aussi que quand je reçois des trucs, donc déjà, premièrement, c'est pas vraiment des partenariats, on m'envoie juste des produits pour que je les teste. Et pour vous dire aussi, au niveau de la date, quand je. Voilà, à partir de maintenant, forcément, il y a la vidéo, le concours, enfin, le lot à gagner plutôt, on va pas l'appeler concours, mais le lot à gagner commence, débute et se terminera sans doute la semaine prochaine, avant la reprise des cours. Voilà. Donc, histoire que comme ça, quand vous allez rentrer en cours, bah, vous aurez votre produit. Donc, ça sera, à mon avis, début de la semaine prochaine. Comme ça, après, il faut que j'envoie les produits. Faut que j'envoie des mails. Il faut qu'ils me répondent, etc., etc. Donc, ça sera dans moins d'une semaine, certainement. Donc, ça, c'est rapide. Faut participer. Tout le monde peut gagner. Mais par contre, ça sera des gens qui sont fidèles à ma chaîne. Voilà. C'est pas pour gratter des gemmes ou autre chose. J'ai bien d'autres choses à faire. Et honnêtement, je peux. Voilà, c'est pour gratter des gemmes. Je peux très bien faire autre chose avec ces produits-là. voilà. Enfin bref, merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça fait super plaisir de me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi. Merci encore pour tout. Voilà, ça fait super plaisir. Moi, j'ai vécu une très belle année. Joyeux Noël à vous, au passage. Parce que ça va être Noël. Et que voilà, je suis très satisfait, très content. J'aime beaucoup faire mes vidéos. C'est peut-être du blablabla, mais moi, voilà, j'aime bien le dire. Quand voilà, faut dire la vérité, ce qu'on pense, et c'est le cas avec moi. Donc, hop, voilà. J'aimerais bien dans l'avenir dépenser, mettre de l'argent dans du matos, on verra. Parce que j'ai beaucoup beaucoup de travail dans mes études, donc ça va être compliqué. Moi, honnêtement, si j'achète beaucoup de matos, j'ai envie aussi de pouvoir l'utiliser. C'est quand je vous dis du bon matos, c'est mettre peut-être 3, 4, 5 000 euros dans du matos et vous faire des vraies vidéos avec un fond derrière moi vert, comme ça vous allez avoir de l'animation derrière moi, un nouveau PC, de l'éclairage, une vraie caméra.
Un truc de dingue, quoi. Après, je vois, c'est sûr que c'est beaucoup d'argent, mais que moi j'ai envie de l'exploiter à fond, quoi. C'est sûr que là, pour l'instant, c'est mal barré. C'est pour ça que j'achète pas de matos et tout. Je suis un peu dans une sorte de restriction budgétaire, on peut dire ça comme ça. J'économise, je mets de côté et on verra peut-être un jour où je me dis, allez, Christo, lance-toi, fais des bonnes vidéos de qualité. Moi, je pense que voilà, mes vidéos, en tout cas, je pense que c'est potable, que c'est quand même de la bonne qualité, parce que je le fais avec amour, comme on le dit. Voilà, je le fais vraiment avec joie, avec envie, et que forcément, je pense que mes vidéos, on le ressent, que c'est voilà, il y a quand même de la bonne humeur et tout, et que voilà, c'est quand même déjà pas mal. Mais c'est sûr que moi, j'ai envie de faire quelque chose encore mieux, hein. C'est le but aussi, c'est de chercher à progresser. Mais il y a un moment où là, maintenant, je peux plus vraiment progresser parce que je reste sur le même matos, et il faut le changer, le matos. Mais si je le change, et moi j'achèterai pas de l'intermédiaire, j'achèterai vraiment du professionnel. Donc à partir de ce moment-là, j'ai envie de l'utiliser. J'ai pas envie que ça reste dans un coin et tout. Il faut que je trouve de la place, parce que si il faut que je trouve, faut que j'achète un pied et tout, avec de l'éclairage et tout, faut que je trouve un endroit où je peux me caler. Voilà, ça peut être, mais je vous le dis, hein, ça peut être vraiment, je peux vraiment faire des vidéos, mais de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Mais pour l'instant, hein, je peux pas, parce que moi, ma vie, c'est pas YouTube, c'est pas mon travail. Moi, j'ai pas envie que ça devienne mon travail, et que forcément, j'ai pas autant de temps que d'autres YouTubeurs qui, eux, vous font des qualités extraordinaires. Ouais, c'est de la super bonne qualité, mais le mec, c'est son métier. Donc, normal. Voilà, c'est son métier, normal. T'as intérêt, et même heureusement que tu fais de la bonne qualité. Tu vois ce que je veux dire? Que moi, par exemple, ou des autres YouTubeurs qui, eux, c'est pas leur taf, c'est pas leur métier, bah forcément, eux, ils vont essayer de faire comme ils peuvent. Parce qu'ils ont du travail à côté, soit ils taffent déjà, soit ils ont des études supérieures après le bac. Donc, forcément, ça demande beaucoup de temps. Et que t'as pas envie aussi de sacrifier YouTube pour tes études supérieures. Ça serait dommage. Ou pour avoir le bac, ou voilà, avoir un morceau de papier, un diplôme. Ouais, merci à tous les gens, je vais vous laisser. Je suis désolé de vous avoir embêté 17 minutes. C'est parce que moi, à la fois, j'avais envie de vous faire un bon petit résumé, vous dire ce que je ressens, ce que je pense, ce qui est important, et vous remercier à la fois. Vous savez, même si je sais très bien comme ça que je réponds pas à tout le monde, je peux pas répondre à tout le monde, c'est impossible. Mais voilà. Ça fait plaisir. Si vous avez des questions, des trucs comme ça, là je suis à la 17e, 18e minute, vous me posez vos questions et j'y répondrai. Voilà, je suis présent, je répondrai à tous les commentaires, voilà, sauf les gens qui mettent je participe, je vais pas répondre, ça sert à rien. Mais les gens qui vont me poser une question ou des trucs comme ça, ou qui veulent me donner des critiques constructives, moi je le prends avec joie. J'aime beaucoup avoir des critiques constructives, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que la personne s'est donné du mal à écrire, à penser à la chaîne, à ma chaîne YouTube, et à, voilà, à donner des critiques. Mais constructif, comme ça moi j'essaie de m'améliorer après dans le temps. Ou alors m'encourager et tout, ça aussi ça fait encore plus plaisir, forcément on n'est pas stupide, ça fait plaisir d'être encouragé. Donc je répondrai à tout le monde. Voilà, la vidéo est très longue même. En tout cas, un joyeux Noël, passez avec votre famille et tout, ça c'est bien. Si vous pouvez pas, bah, avec vos potes, soit sur Skype, soit en vrai, soit voilà, vous vous débrouillez pour histoire de passer un bon petit Noël. Si vous n'avez pas trop de cadeaux et tout, vous pouvez essayer de participer, même faire un long petit en disant combien de temps vous me suivez, comme ça moi après je vais voir à peu près si la personne dit la vérité, et comme ça elle peut gagner carrément direct le cadeau, quoi. Je lui dis, ah bah lui il m'a fait un bon message, je regarde, ah, le mec qui me suit depuis longtemps, ok, bah toi t'as gagné, allez hop, t'as gagné un cadeau. Ça va être comme ça, ça va pas être un, je sais pas comment je vais faire mon concours. J'espère que ça va plaire, ça va pas faire, j'espère qu'il y a des gens, ils vont pas râler, hein. Mais bon, ça c'est souvent des gens qui râlent, mais que ça sera des gens vraiment qui me suivent, quoi. Donc ce sera pas un, je sais pas si je vais faire un truc avec une machine aléatoire et tout, et là tu vas tomber sur quelqu'un, un compte qui vient d'être créé et tout, juste pour le concours, ça serait con. Donc voilà, donc je sais pas comment je vais faire en tout cas pour trouver les gagnants. Voilà, c'est une histoire de confiance de toute façon avec le youtubeur. À vous de voir si je suis sincère ou pas, et de me faire confiance, même si ça travaille le net. Et voilà, merci à tous les gens, puis je vous dis à la prochaine. Écoutez, ça m'a fait super plaisir cette vidéo. Voilà, j'ai pu un peu parler au niveau de ma chaîne YouTube et tout en 20 minutes, et je vous souhaite un joyeux Noël. Et voilà, Merry Christmas!